actuellement. Dépôt de gerbe. Des victimes civiles et militaires des conflits armés 1914, 1918, 1939, 1945, je vous demanderai une minute de silence. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle,
la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors de combats, restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France, et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toute origine et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Birakeim, débarquèrent en Provence. Deux des commandos Pierre furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur de toute conviction qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de vagues. Hommage aux victoires de la déportation, condamnées pour leurs idées et pour ce qu'elles étaient, subir l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit après 1945 sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies. Cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes, et c'est sur cette base que la Constitution européenne est possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix.